Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment le surdoué s'auto-sabote. Effectivement on peut se dire l'auto-sabotage c'est forcément ne pas réussir à l'école, ne pas répondre, faire semblant qu'on ne sait pas faire tout simplement. Donc effectivement il y a de ça mais pas seulement. C'est aussi parfois s'empêcher de prendre ce qui nous plaît, donc comme cours, comme direction tout simplement, donc de faire des choix qui nous correspondent. Pourquoi le surdoué fait ça? Généralement il le fait pour plaire, il le fait pour plaire à son entourage, il le fait aussi pour éviter de déplaire, c'est-à-dire que si les autres vont lui dire « oh mais ne fais pas ça parce que ça va pas fonctionner », il aura tendance pour justement gratifier les autres parce que justement il aime les autres et peut-être trop d'ailleurs, il aura tendance à se sacrifier, à choisir une voie qui lui était toute tracée, la voie que les parents ont décidé qu'il prendrait par exemple. Donc il y a beaucoup de surdoués qui vont faire des études mais dans des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils voudraient faire. Et c'est une forme de sabotage tout simplement parce que forcément si on est en dehors du chemin que l'on aurait pu prendre pour soi, qui nous aurait gratifié, soit c'est une forme de sabotage puisque le temps qu'on fasse des études que papa maman voulait faire éventuellement, eh bien à ce moment là on ne se développe pas dans notre domaine. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien, bien entendu. Vous pourriez aussi choisir quelque chose qui vous corresponde plus ou moins, mais plutôt peut-être moins que plus, pour faire plaisir. Ça ne veut pas dire que ça ne vous servira pas, mais ça veut dire que malheureusement vous perdez du temps par rapport à ce que vous auriez pu faire pour vous. Et c'est un cas de figure qui se voit plutôt fréquemment. Donc oui, on n'y pense pas assez. L'auto-sabotage peut se faire de cette façon-là, justement en n'étant peut-être pas tout à fait convaincu qu'on va réussir. On se présente aussi aux autres ou aux examens ou aux entretiens d'embauche d'une manière qui fait qu'au final l'autre n'a pas envie de nous engager, de nous donner suffisamment de points, etc. Donc ce qu'on croit est ultra important, croire en ses rêves et s'en donner l'autorisation, c'est ultra important pour réussir dans la vie. Ce n'est pas vraiment une question d'intelligence, quand on pense à ça on se dit il y a des personnes qui sont vachement intelligentes justement, qui ne réussissent pas parce qu'ils ne se sont pas donné l'autorisation de réussir, parce qu'en fait ils ont peur de déplaire, parce qu'ils ont peut-être des sentiments contradictoires, d'une part ils veulent faire quelque chose, d'autre part ils ont peur que ça leur fasse perdre l'amour de l'entourage ou que simplement ça déçoive les autres, ou simplement justement ils ont par préférence choisi de réaliser les rêves d'autres personnes. Donc c'est ultra important pour le surdoué, pour les zèbres, etc., les hypersensibles aussi, de réaliser ses rêves, de comprendre que vous ne rendez service à personne en fait si vous ne vous réalisez pas vous-même. C'est le fait de se réaliser qui va faire sûrement qu'on va donner le bon exemple à d'autres personnes et qui va faire aussi que du coup, par mimétisme, d'autres personnes auront envie de se réaliser. Donc oui, moi je recommande plutôt de faire ses propres choix, de pas trop écouter son entourage. C'est bien de l'écouter, mais prenez quand même la décision finale. Ne laissez pas les autres prendre les décisions pour vous. C'est plutôt négatif dans la vie. Vous allez le regretter et peut-être devenir aigri et pas du tout en fait avoir de bonnes relations à cause de ça. Vous pourriez tout à fait garder une rancœur. Donc faites attention à ça, c'est ultra important, beaucoup plus qu'on ne le pense, et effectivement peu de personnes en parlent, donc c'est pourquoi je voulais vous en parler actuellement. Donc j'espère que vous allez bien, surtout prenez bien soin de vous, faites les choix qui vous correspondent, n'ayez pas honte de faire ces choix-là, même si ça paraît pas logique pour certaines personnes, même si vous feriez des choix auxquels les autres ne croient pas. Ce qui est important, c'est que vous vous mettiez à y croire justement pour avoir la bonne attitude face aux occasions, parce que sinon effectivement vous n'allez pas saisir les occasions qui passent, vous allez tout faire en fait pour qu'on ne vous choisisse pas quand vous passez par exemple un entretien d'embauche, quand par exemple vous passez un examen, ou quand par exemple je ne sais pas, vous allez faire telle ou telle prestation sportive qui ne va pas être suffisante, il vous manque un petit quelque chose dont vous êtes tout à fait capable mais que vous ne faites pas par peur justement de briller, de vous mettre en évidence. Alors c'est assez logique au fond d'avoir peur de briller quand on est surdoué, parce que généralement les surdoués ont été critiqués pour ça. Du coup c'est assez fréquent que beaucoup de surdoués s'empêchent de réussir. C'est dommage. N'oubliez pas que si vous vous empêchez de réussir, ça empêche aussi d'autres personnes de réussir, parce que ça n'encouragera pas en tout cas les autres à se mettre en marche aussi. C'est plutôt le fait qu'on voit quelqu'un qui a réussi à faire ce qu'on voulait
que là on se dit bah, c'est possible alors et pourquoi pas moi au fond, si cette personne se l'autorise, pourquoi pas moi au fond je ne pourrais pas le faire, pourquoi moi je ne peux pas prétendre à le faire, pourquoi je ne me débloque pas à ce niveau là. Donc c'est important de se poser la question, au moins de reconnaître qu'on est bloqué ou qu'on s'est bloqué soi-même, souvent c'est on s'est bloqué soi-même, et du coup bah, est-ce qu'on peut simplement enlever ce blocage en se donnant l'autorisation d'essayer au moins et de réussir aussi. Ça veut dire que c'est un choix principalement de se débloquer et il y a peut-être des peurs qui sont derrière. Mais regardez bien vos peurs en face parce que souvent les peurs que nous avons ne sont en fait pas réalistes. Souvent elles ne se réalisent pas et souvent ce sont que des peurs. Et posez-vous aussi la question, si vous empêchez d'être vous, si certaines personnes vous empêchent d'être vous, est-ce que ces personnes-là vous aiment vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que vous vous empêchez de faire les choses pour des personnes qui peut-être ne vous aiment pas suffisamment ou ne vous comprennent pas suffisamment? Parce que parfois il y a aussi un problème de compréhension. Et je pense que de toute façon, ce qu'il faut faire c'est se valider soi-même et pas attendre de la reconnaissance nécessairement des autres. Comment les autres pourraient vraiment vous reconnaître? Est-ce que les autres savent vraiment ce que vous avez traversé, savent vraiment ce qui vous motive? Les autres, je pense, ne vous connaissent pas aussi bien que vous-même et je pense que vous devez être la première personne à vous valider dans vos choix. Et du coup, effectivement, faites attention à ne pas vous laisser bloquer pour des personnes qui peut-être n'en valent pas la peine, pour des personnes qui peut-être ne vous aiment pas suffisamment, pour des personnes certainement qui sont peut-être centrées sur elles-mêmes et pas sur vous, sur vos rêves. Je pense que si vous avez de réels amis, ils vont vous encourager à réaliser vos rêves, ils vont vous encourager à vous épanouir, ils vont vous encourager justement à être la personne que vous devez être. Ça veut dire qu'on est aussi surpris parfois de ce qu'on peut devenir, mais tant qu'on n'essaye pas effectivement, on n'aura pas l'impression de pouvoir le faire. Et beaucoup de personnes sont très très intelligentes et souvent quand vous êtes très intelligent justement, vous allez voir vos failles, vos erreurs, vos impossibilités possibles justement et vous n'allez pas vous autoriser nécessairement à essayer. Moi je vous autorise et je vous recommande d'essayer des choses parce que c'est comme ça que vous allez prendre conscience de votre potentiel et souvent, c'est très souvent, les zèbres qui en fait ne sont pas diagnostiqués ou quand ils sont diagnostiqués ont une réaction qui est fondamentale, qui est « Ah non, non, mais moi, c'est pas possible, je suis pas surdouée parce que je suis pas intelligent. » Peut-être que vous n'êtes pas intelligent parce que vous n'avez pas été au bon endroit, au bon moment, et que vous n'avez pas osé, que vous avez souvent eu peur de déplaire, peur d'être rejeté, que ce soit à l'école, que ce soit par vos copains, vos copines, par vos amis, par votre famille, par vos parents, par vos frères, sœurs. Vous ne vous êtes peut-être pas autorisé non plus à dépasser un frère aîné, une sœur aînée. Vous avez eu peur justement de blesser quelqu'un en vous réalisant et c'est certainement ça qui vous bloque. Pensez simplement, est-ce que vous n'allez pas apporter plus de bonheur si vous vous réalisez? Est-ce que ça ne va pas provoquer chez l'autre justement un déclic qui va faire que l'autre va se réaliser d'autant mieux? Est-ce que ça ne va pas apaiser les tensions déjà en vous mais aussi autour de vous si vous vous réalisez? Et au fond, pourquoi vous devriez vous sacrifier? Pourquoi devriez-vous vous sacrifier? Est-ce que les autres se sacrifient pour vous? Donc là, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que c'est légitime tout ça, de se saboter? Est-ce que c'est vraiment légitime? Moi, je pense que non, que la réponse est non. Et de toute façon, je vous encourage à oser, à essayer, à prendre conscience de ce que vous voulez, de qui vous êtes, et à le faire, tout simplement. Posez-vous peut-être moins de questions, faites-le. Vous allez analyser les choses avant et après, mais pas pendant l'action. Et ça, c'est aussi une des techniques que je recommande aux surdoués, aux personnes justement qui réfléchissent beaucoup, certainement de trop, qui vont se bloquer par peur de toute une série de choses parce qu'ils vont envisager tout ce qui va peut-être arriver ou peut-être pas d'ailleurs. Et au final, le temps de faire ça, et ben on passe peut-être à côté des choses. Donc mettez-vous en action. Essayez de réfléchir moins en vous disant ben, « Ok, les autres ne réfléchissent pas autant. » Si vous avez une intelligence effectivement à réfléchir, beaucoup peut-être que ce qui va vous débloquer, c'est vous dire « Ok, maintenant je me mets en mode automatique, j'enclencherai mon mode réflexion après coup. » Du coup, ben, je ne prends pas vraiment de risque puisque j'analyserai quand même les choses. Mais au fond, c'est important, c'est peut-être prendre plus de risques de ne pas agir plutôt que d'agir. Et quand je dis « peut-être », pour moi, c'est certain. Je suis convaincue de ça. La seule chose que je peu regretter dans ma vie d'ailleurs, c'est de ne pas m'être mise en action plus tôt ou plus souvent en fait. Donc voilà, je vous recommande d'essayer, d'oser, d'aller vers vos rêves et de prendre surtout très bien soin de vous. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.